وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار أما بعد قبل أن أبدأ في الموضوع فأولا بارك الله فيكم تحدثنا مرات ومرات عن أن الجمعة حينما تدخل إلى الجمعة فيجب أن تضع الهاتف ديالك في جنب tu dois mettre ton téléphone de côté tu dois éteindre ton téléphone plutôt c'est pas jouer avec ton téléphone Parce que je vois des frères qui sont en train de naviguer sur leur téléphone. Et ça, c'est interdit parce que tu perds la récompense de Jumu'a. Le téléphone, est-ce que tu n'es pas patient de laisser le téléphone 20 minutes? Tu perds la récompense de Jumu'a. Si tu veux juste jouer avec ton téléphone, tu laisses la place pour quelqu'un d'autre qui veut faire la prière, qui est motivé. Pour la récompense, pour Jumu'a, qui est concentré avec son cœur et avec tout. C'est pas, tu viens, tu t'assois et t'es avec ton téléphone. Tu perds la récompense bêtement, comme ça. Barakallahu fikum. Man lagha fala Jumu'ata la. Wallahu yadkhulu fi hada an yal'ab al-insan bi asabi'ih. Hatta hunak ba'd ulama adkhalu an al-insan alladhi yal'ab bi asabi'ih faqad lagha. Il y a des savants qui ont dit que même si quelqu'un joue avec ses doigts pendant Al-Jumu'ah, il a perdu la récompense. Regardez, il y a des savants qui ont parti jusqu'à là. Qu'est-ce que tu vas dire pour celui qui joue avec son téléphone? Qui répond à un message, je ne sais pas. Donc faites attention, barakallahu fikum. Tu viens pour gagner la récompense, donc fais pas des actes qui te font perdre la récompense de Al-Jumu'ah. Barakallahu fikum. أما بعد كثير من مشاكل في الأمة من أكبر المشاكل في الأمة الشباب في زماننا الحالي parmi les grands problèmes que nous remarquons au sein de notre société c'est les jeunes le rassemblement des jeunes dans des endroits où ils prennent l'alcool, la drogue, etc. كثير من مشاكل الأمة نراها في الشباب الآن في تجمعاتهم في الطرقات تجمعاتهم على الخمر على موائد الخمر وعلى موائد المخدرات وعلى الشيشة وعلى كثير من الأشياء فهذه من أكبر مشاكل الأمة في هذا الوقت الحال والسؤال الكبير هل هؤلاء الشباب هم رجال المستقبل
هؤلاء هم رجال الأمة. يعني ces jeunes là après des ans après quelques ans c'est les gens de cette communauté, c'est eux qui vont gérer les mosquées, c'est eux qui vont gérer la communauté, c'est ces jeunes là est-ce que vous pensez que ces jeunes là sont capables de avancer avec l'islam, de avancer avec les principes de l'islam? Ces jeunes qui sont là, qui sont perdus. Mais on revient au même. C'est qui la tête de ce problème-là? C'est nous, c'est les parents. On revient aux mêmes choses. حينما نعود من هو رأس هذا المشكل وهم أنتم هم الآباء هم الآباء الذين أهملوا أبناءهم هم الآباء الذين يرون فقط العمل ويعني جمع الأموال وبناء المنازل يبني منازل في البلاد لكنه يهدم مستقبل أبنائه هنا يهدم الأمة أيضا ليس فقط أبناءها بل يهدم الأمة أيضا إخوة الإسلام هذا مشكل كبير أهكذا سوف نلقى الله أهكذا سوف نلقى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته Est-ce que c'est comme ça que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Et quand Allah il va te demander sur tes enfants, qu'est-ce que tu veux dire? On a parlé la semaine dernière sur l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer. Parce que avant de parler sur les jeunes, il faut profiter de ces enfants. Les enfants qui sont encore à l'adolescence, les petits. Il faut profiter de les éduquer comme il faut. Comme il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tarbiyatan islamiyya. Tunshi'uhum ala ta'ati Allahi wa rasulih. Tunshi'uhum ala hubbi Allahi wa rasulih. Amma idha kabiru ala hada. Fa madha tuntadirunhum. Yani ba'da 10 sanawat sawfa tatadhammaru aydan. سوف تتذمر أو سوف يأتي من يتذمر من شباب ضائع ضائع في الطرقات شباب ضائع des jeunes qui sont perdus ils disent qu'ils sont des musulmans mais ils ne connaissent rien sur l'islam ils ne font même pas leur prière ils sont dans l'alcool, dans la drogue, dans plusieurs فهؤلاء من الأصل فيهم؟ نحن هم الأصل في هذه المشاكل يعني حينما تلوم ذاك الشباب فيجب أن تلوم نفسك أولا وأن تلوم صديقك وأن تلوم ذاك اللي كان يخدم معك لأنكم كنتم تسهرون الليالي للعمل وتهملون الأطفال هذا هو المشكل On veille les nuits pour travailler C'est juste pour l'argent, pour l'argent, pour l'argent, pour construire des maisons, pour acheter des voitures, pour voyager, pour les vacances, pour... Mais tu as oublié l'éducation de tes enfants. Tu penses que l'éducation de tes enfants, c'est juste acheter les habits, et acheter un téléphone, et les ramener aux vacances, le prendre là, et là, et là. C'est ça l'éducation. ماذا ستقول أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل علمت أبنائك التوحيد؟ Est-ce que tu as enseigné à tes enfants l'unicité d'Allah سبحانه وتعالى؟ Est-ce que tes enfants ils connaissent Allah؟ Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y a une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, j'ai besoin d'une ruqya. Moi, je ne le connais pas. Monsieur, c'est un musulman. Il dit, d'accord.
Je suis parti avec lui. Et quand je rentre chez lui, son fils, il me dit, est-ce que c'est toi le Dieu? Anta turidu ruqya. Toi, tu veux la ruqya, mais ton fils, il ne connaît même pas c'est qui Allah. Imaginons. Même pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux que celui-là, il connaît les péchés, ou il connaît le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou les compagnons, ou les quatre compagnons, Abu Bakr, Omar. Il ne connaît même pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu es perdu. Tu n'es même pas concerné. Tu penses que l'éducation, c'est juste l'argent, la propreté et tout. C'est bien. Mais, tes enfants, c'est quoi le but de notre vie? C'est de satisfaire Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le résultat après? C'est soit un paradis ou l'enfer. Il n'y a pas d'autre. Soit le paradis, soit l'enfer. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Est-ce que tu as préparé tes enfants pour ça? Quand tu ne veux pas voir tes enfants en galère dans cette vie, est-ce que tu les as préparés pour l'enfer ou le paradis? والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أو vous les croyants protégez vous-même ainsi que vos familles, vos proches, vos enfants. أهليكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن لا نفكر في هذا اليوم. لكن كثير من مشاكل الشباب ومشاكل الأطفال تبدأ من البيوت. Donc les problèmes des enfants et des jeunes, la plupart ça commence de la maison, des parents. Parmi les grands problèmes qui causent la déviation des enfants, et surtout les adolescents, et après, qui vont devenir des jeunes, c'est les disputes. Les disputes dans les maisons, entre les mariés. Ça, c'est parmi les causes qui font sortir les enfants de la maison, qui poussent les enfants à sortir, à se sauver. Parce que toi, quand tu vois, tu penses que tes enfants, ils ne savent rien. Mais tes enfants, quand ils voient, à chaque jour, quand ils rentrent de l'école, ils voient le père avec la main, toujours la dispute, toujours, toujours, toujours. Lui, il a besoin d'être tranquille. Il a besoin de quelqu'un qui parle avec lui. Il a besoin de quelqu'un qui le demande, qui est tendre avec lui. Il a besoin de la douceur parce que c'est un adolescent, c'est un petit, c'est un enfant. Toujours les problèmes, donc il cherche ailleurs. Il trouve des jeunes. Il trouve des jeunes, des fois il va tomber sur une mauvaise fréquentation. Et la plupart des temps, c'est la mauvaise fréquentation. C'est rare quand tu vas trouver quelqu'un comme ça qui va tomber sur une bonne fréquentation. Et après, on va dire les enfants, les enfants. Donc le problème, ça vient de la maison. La première des choses. C'est pour ça, on a parlé avant sur les droits des enfants sur les parents. Parmi les droits des enfants sur les parents, c'est de choisir une bonne femme, une bonne maman pour lui. Et pour la femme, de choisir quelqu'un de bien, quelqu'un qui a le bon comportement, quelqu'un qui a les valeurs de l'islam. C'est pas juste se marier pour se marier. Et après, les problèmes et les victimes, c'est les enfants. فهذا من أعظم وأكبر المشاكل التي
تؤدي إلى انحراف الأطفال، يعني المشاجرات في المنازل بين الأزواج. حينما الطفل يصبح ويمسي على هذه المشاجرات فهذا يضر بنفسيته ويدفعه إلى الخروج للبحث عن الراحة. أين يجد هذه الراحة؟ يجدها مع avec les jeunes des cités. Il se met à l'aise, il trouve son repos avec les jeunes dans les cités. Avec la drogue, les jeunes, ils vont jamais lui dire non, ils vont jamais crier sur lui. Tiens, viens, on va là-bas, allez-y. On va voler, allez-y. On va casser, allez. Toujours. Il n'y a personne qui va lui dire non. Tous sont pareils. Et le problème, ça vient de quoi? Le début, c'est les parents. Donc, quand on voit les problèmes qui sont dans la communauté, dans la société, on doit poser la question sur nous-mêmes. Est-ce que c'est nous la cause ou pas? Il faut faire attention, barakallahu fikoum. Parce que parmi les grandes causes des problèmes et des déviations des enfants, c'est les parents. Il faut faire attention, barakallahu fikoum. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc parmi les problèmes qu'on a dit c'est le dispute entre les parents. Aussi parmi les problèmes c'est l'inactivité des enfants. الفراغ، الفراغ. الأطفال يحتاجون إلى تفريغ طاقاتهم. الطفل يحتاج إلى التحرك، يحتاج إلى اللعب، يحتاج إلى التعلم. فأنت حينما تترك ابنك في الفراغ فهنا تؤدي به إلى التهلكة. حينما تترك ابنك في الفراغ بدون رياضة، بدون علم، بدون تعلم، بدون أي شيء، هنا تؤدي به إلى التهلكة. Quand tu laisses ton fils dans l'inactivité, ça veut dire qu'il ne fait rien, ni sport, ni apprentissage, ni rien du tout, ni des activités. Là, tu le mets dans une mauvaise voie. Ça veut dire que ton fils, n'importe quel moment, il peut se défier. L'islam raghaba fi ar-riyada. رغب في ملء الفراغ. يقول صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك، اغتنم خمسا قبل خمس، منها فراغك قبل شغلك. ورسول صلى الله عليه وسلم رغب أيضا في الرياضة، علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. نعم، البروفيس صلى الله عليه وسلم أنسيتي سور سا سور لو في دو بروفيتي des moments vides avant que tu sois occupé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi incitait sur le fait de faire du sport, apprendre la natation, l'équitation et le tir. As-sibaha wa rimaya wa rukub al-khayl. Donc il faut essayer de donner des activités aux enfants. Et aussi il faut essayer d'apprendre aux enfants. L'apprentissage, c'est très important aux enfants. Tu ne dois pas perdre le temps. Parce qu'en ce moment-là, ils sont ouverts à apprendre, des enfants. Quand il arrive à un certain âge, ça va être difficile pour lui. Donc, il faut essayer de se progresser dans ce côté-là. Aussi, parmi les problèmes, c'est
regarder les films d'horreur et les films de la violence. Tu laisses ton fils normal, tu t'assois avec lui, tu regardes un film de violence normal. Et pour toi, c'est normal. Ou tu achètes un jeu, les jeux vidéo, à ton fils, un jeu de violence. Quelqu'un qui tue, qui... Et après, on demande pourquoi les enfants sont violents. Pourquoi les enfants sont comme ça? Ça, c'est pas... Faut pas laisser les enfants regarder des choses comme ça. Même les grands doivent pas regarder ça. Donc, comment pensez-vous pour les enfants? حتى الكبار لا يجب عليهم أن يشاهدوا هذه الأشياء. أفلام العنف وإلى آخره. وهذا اللعب. العنف. وبعد ذلك تقول لماذا الأطفال فيهم العنف؟ الأطفال دائما الشجارة إلى آخره. في الأصل هو هذا. كاين أشياء صغيرة نراها هينة لكنها يعني لف ديالها كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى. كبير على الأمة، الأثر. أثر هذه الأشياء كبير. يؤدي بالأطفال إلى التهلكة ويلقي بهم إلى غياهب العنف والمخدرات وإلى آخره. فلذلك يجب الحذر أشد الحذر. بارك الله فيكم. دونك بارك الله فيكم. Faut occuper les enfants à l'apprentissage. Surtout l'apprentissage du Coran. Surtout nous ici en France. Faut occuper les enfants à l'apprentissage de leur religion. De connaître leur religion. De connaître leur prophète. De connaître le Coran. يجب على الأطفال أن يتعلموا القرآن، أن يفهموا القرآن، أن يقرأوا القرآن، أن يسمعوا القرآن، أن يسمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسمعوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils doivent connaître la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. Ils doivent connaître la vie des compagnons. Donc il faut faire des efforts pour ça. Parce que sinon, vous allez perdre vos enfants après. Vous allez regretter. Mais ce serait trop tard. Dans un moment où ton fils ne va pas t'écouter. Si tu ne lui donnes pas des principes, si tu ne lui donnes pas des valeurs, il ne va pas t'écouter. Parce que tu ne l'as rien donné. Tu l'as donné que la, de manger. L'habit, les habits et tout, c'est tout. Et ça, c'est sans reste. Donc, il faut que tu donnes une bonne éducation. Une éducation comme il nous a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons. Et je vous ai dit qu'un tu alimam. Et aussi, c'est très très important de donner aux enfants la parole, de donner aux enfants, d'encourager les enfants. De compter sur les enfants. Même si des petits, tu ne vas pas dire c'est un petit, non, non, laisse-le. Allez, la couverture. C'est... Non. Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu. قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذا كان صغير جدا مu'ad ibn Jabal. كان صغير. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا صغير لن يتعلم. Il était encore petit, Mu'ad ibn Jabal. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas dire que c'est un petit, non, c'est pas la peine de le dire ça. C'est quelque chose. Il a enseigné un hadith qui est parmi les principes. Les principes de cette religion. Inni u'allimuka kalimat. Ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidhu tujahak. إذا سألت فاسأل الله. هذه حتى الكبار والله حتى الكبار لا يفهمونها. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها للصغير؟ يعلمهم صلى الله عليه وسلم المسؤولية. Il leur montre la responsabilité de prendre la responsabilité.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sur un jeige, sur le jeige, il a mis un jeune de 17 ans. Un jeune de 17 ans, c'est lui qui dirige. Il n'a pas sahir. Il est encore petit. Il ne sait rien. Il ne connaît rien. Il va prendre la responsabilité. Quand? Tu n'as jamais habitué. Donc quand il va grandir, il va compter sur toi aussi. Encore. Donc il faut faire attention dans ce côté-là. Il faut lire, barakallahu fikoum, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie des compagnons. Pour savoir, pour apprendre. Pour apprendre. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les enfants? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons? Comme ça on va apprendre, inshallah, et on va avancer. Nas'Allah ta'ala an yaj'alna min yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اغفر ذنوبنا اجمعين وهب المسيئين منا المحسنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاشياخنا ولمن علمنا وللمسلمين كافه بواسع الرحمه والمغفره اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وفقهن للعفه والحجاب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم سمعت derrière la ligne derrière la ligne بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله